Ah, c'est une petite bourse qui est sympa parce que dans la petite bourse, là, il y a un stylo. Bon, d'accord. Avec une boursinette, enfin une boîtinette et une boursinette qu'on fait examen. D'accord. Moi, je conjugue-tu, hein, vous conjuguez-vous, hein, parce que... Vide. Vide. Ouais. Et on peut examiner les pièces parce que par contre, elles sont assez intéressantes, les pièces. On peut examiner. Vous examinez? Non, c'est bon? Non, non, d'accord. Tu veux pas examiner ça? Ah, Non? attends, je vais regarder. C'est un feutre indélébile. Indélébile, indélébile, indélébile. Oui, parce que la plupart des magiciens, je ne sais pas si vous avez déjà vu des magiciens, vous avez déjà vu des magiciens par Ouais. aujourd'hui? Si près? Si près? Non. Bah, les magiciens font signer souvent des objets, souvent des cartes d'ailleurs, et après ils laissent bien sûr en souvenir au spectateur. Ce qui est un peu bizarre parce que c'est le spectateur qui signe et il garde en souvenir sa signature. Ce que je trouve quand même. Enfin bon, je ne veux pas rentrer dans. Alors moi, ce que je fais, c'est le contraire. C'est que je fais signer des spectateurs, mais je garde en souvenir leur signature. Oh. C'est plus logique, quelque ouais. part. Quelque part, oui. Non, puis c'est sympa. Tiens, vous mettez une petite main, comme ça, j'aurai un petit souvenir de vous. Mais vous me laissez de la place pour les autres. Hein. D'accord. Un petit bidule. Parfait. C'est un petit bidule aussi. Oui, oui, oui. Oh oui. Ça me fait un souvenir de ma fille en plus. C'est cool. Bien. Vous voulez qu'on fasse quelque chose de sympa avec ça? Ouais. C'est un effet simple, mais à force, il est un peu énervant. Vous allez voir. Enfin, énervant dans le bon sens, hein, je veux dire. On met des pièces d'argent dans la boîte. Pièces signées de toutes parts, ouais. de tous côtés. Ouais. Fais juste ça comme ça. C'est chouette. Et le repasse à l'intérieur. C'est sympa, non? C'est vraiment la bonne, hein? Exactement. D'accord. Hein. Ah ouais, oui, la petite signature là. Oui, la petite signature. Mais il y a toutes les grosses signatures aussi. Aussi. Ça vous a plu? Ouais, c'est j'en bien. Fasse. On y va. On va faire. Signature de toutes parts. C'est cool. Et là, hop, elle repasse. Ah non, c'est pas bon. C'est quand même embêtant parce que. Ah bah si, parce qu'il y a les particules de la pièce. Je suis habitué, moi, à voir. Il me manquait un petit bout. Il me manquait un petit bout. Vas-y, ça. Chouette. Très. Très. Elle refait une fois. Je pense qu'à ce stade, ça étonne plus personne si la pièce part et si on la retrouve pas. Non, mais on est habitué maintenant à ça, quelque part. Parce qu'en réalité, maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de prendre virtuellement les trois pièces, une par une, et hop. Ça marche bien, hein? Très bien. On peut les reprendre toutes, comme ça. Deux. Mais la plus énervante, c'est quand on a vraiment celle qui est signée. Mais c'est qu'une illusion, hein, parce qu'en réalité, quand on regarde bien, on prend une là, une ici, voilà. On fait juste ça comme ça. Une illusion, parce qu'il n'y a rien. Parce qu'elles sont toutes repassées. C'était des images virtuelles, simplement. On peut examiner. Ah, c'est très bien. Merci beaucoup. C'est chouette, hein? Ah, c'est super. Vous aimez ce genre de choses? Ah ouais, beaucoup. Vraiment? Énorme. Surtout que c'est qu'une illusion, hein. Sur rien, si on regarde bien. J'ai jamais eu les pièces en question. Les chinoises. Alors, ce qui est le plus énervant, c'est qu'en plus, elles ne rentrent pas dans la boîte. Et ça, j'ai jamais réussi à m'expliquer pourquoi.